je te donne la vie, je te choisis un nom. Et quand tombe la nuit, je t'embrasse le front. Je veux pas plomber l'ambiance, mais... c'est à cause de ce qui est arrivé à ma sœur. Sa fille, Lucienne. Eh ben, c'est pas la sienne. Ils se sont trompés à la maternité. À qui ça, oh, il a, enfin, à la clinique, quoi, les gens de la clinique. Ils ont pas mis le bon bébé. Faut dire qu'avec Marcel, mon mari, on a toujours eu un doute. Hein. Parce que la petite Lucienne, elle était pas blanche. Elle était noire. Mais noire, noire, hein. Alors, on est tous passés devant le berceau à la maternité, on a tous fait... Oh! Et quand ma sœur, elle nous demandait si elle, on trouvait pas qu'il ressemblait à son papa, on disait, ben, c'est difficile à dire, à cause de la couleur. Mais en même temps, comme la petite Lucienne, elle sortait d'une jaunisse, ben, on s'est dit que c'était possible, quoi, qu'elle était un peu foncée. C'est resté comme ça. Bon, après, c'était un peu difficile à gérer avec les fêtes de famille, vous savez comment sont les gosses, hein. On pose toujours des questions, c'est cruel entre eux. Alors nous, on expliquait que Ginette, ma sœur, la maman de Lucienne, ben, elle avait bu trop de café quand elle était enceinte. Ça colle, on sait bien que le café, c'est pas bon quand t'es enceinte. Et c'est resté comme ça. Mais entre nous, c'était la fille du facteur. Ben, c'est possible parce que le facteur de ma sœur, il est asiatique. Et en plus, ce qui est bizarre, c'est que ça nous a conforté dans l'idée, c'est que la petite Lucienne, qui quand même maintenant a presque 20 ans, elle travaille à la poste. C'est pas évident de travailler à la poste avec la tête qu'elle a. Elle a dû passer un examen d'entrée, c'est pas banal, hein. Ils étaient 500, ils ont gardé les 1000 meilleurs. Ah ouais, ça, Lucienne. Elle est volontaire, hein. Elle tient à ça de sa mère. Enfin, ma sœur, qui est pas sa vraie mère. Mais c'est pas grave parce que ma sœur, elle l'a aimée comme sa fille. Mais non, elle est déprimée aussi. C'est dur. C'est très dur. Parce que maintenant, en fait, la vraie fille de ma sœur est revenue avec toute sa famille. Enfin, ses faux parents, ses faux frères et sœurs, toute la semaine là. Effrayant. T'étais tous noirs. Quand t'as pas l'habitude, ça fait peur, ça fait un choc. Ils ont procédé à l'échange, là. La petite Lucienne, elle est partie avec sa petite Kipling. Sa valise, et on a fait tous dada à la porte. C'était trop... Oh, t'es triste, triste, triste. Et ils nous ont laissé la vraie fille de ma sœur, une espèce de longue tige blanche. Moche, qui ressemble à ses vrais parents. Ma sœur et mon beau-frère. Ils lui ont donné un nom de noir. Bintou la bienheureuse. Donc, Lucienne, elle nous manque, parce que l'autre, là, la vraie, elle est pas drôle. Hein. Elle tire la gueule tout le temps, elle est même pas foutue de ranger une assiette, elle sait pas faire son lit. Enfin, elle ressemble à mon beau-frère, quoi. Tandis que Lucienne, ben, savait comment c'est les blagues. Hein. Elle était tellement, tout le monde, tellement joyeuse, tellement heureuse, toujours tellement gaie, toujours à faire la fête, parce que les Noirs, ils ont le rythme dans la peau, quoi. Elle était si contente, elle était bien.
Même si elle était noire, c'était notre très haut soleil. Oh, j'ai abîmé la chemise de Marcel. Il y a toute une tache noire. Chienne de vie. C'était Zidanie et c'était son 20e passage dans On ne demande qu'à en rire. À vos télécommandes, les amis. Eric, Isabelle, Catherine, Jean et le public, il va falloir noter Zidanie pour ce nouveau sketch. 20e passage donc dans On ne demande qu'à en rire. Zidanie qui est à la Comédie des Boulevards à Paris dans la rentrée d'Arlette à 21h30. Et cet été, vous êtes au Festival d'Avignon? Oui. À la salle Rouge-Gorge. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce que vous allez jouer, votre spectacle à rentrée d'Arlette? Voilà, c'est ça. Très bien. Avignon, ouais. Cet été, c'est cool. Voilà. Est-ce que vous me dites oui ou vous me dites non, Zidanie? On se connaît un peu, on est presque intimes tous les deux, vous me dites oui, vous me dites non. Est-ce que vous auriez la gentillesse de me prêter quelques secondes votre perruque? Bien sûr. Je sais qu'il y a quelqu'un à qui ça doit aller vachement bien, une coupe afro rousse comme ça. Et si vous me prêtiez la perruque quelques secondes? Elle a dit oui. C'est un fantasme, je suis désolé. Si vous me prêtiez votre perruque, ça me ferait vraiment plaisir. Bah là, vous devez la mettre d'abord. Oui, oui, mais j'ai quelqu'un à qui ça ira encore mieux, Zidane, je vous promets. Moi, à côté, ça va pas être terrible. Bon, voilà, voilà, mais là, voilà. Vous me déflorez quand même. Oui, je suis désolé, autant pour moi. Alors, qui va bien pouvoir essayer cette perruque? Je me demande à qui ça doit aller le mieux. Non, mais, hé, genre, une coupe afro rousse. Comme ça, je te jure, c'est un kiff. Allez, fais-moi plaisir, Jean. Allez, je vais en face pour bien te voir. Attends. I'm Angela Davis. Je veux faire Angela Davis. Angela Davis. I want an American for me. C'est quoi? Angela Davis. Tu sais pas qui c'est Angela Davis? Il n'y en a pas dans la télé-réalité. Oui. Ça déconne, c'est le premier Jackson 5 pied noir. Ouais. On le connaissait pas celui-là. C'est le Jackson 6. C'est le frère caché. Hein. C'est charmé. Vous êtes formidable. Merci Jean pour ce petit plaisir. Ça me fait du bien. Allez, on découvre les notes du jury, on commence par celle d'Éric Métayer. 18, c'est bien, Isabelle Mergaux. 18 également. Catherine Barma. 17. Et enfin, Jean-Baptiste Guigui. 18. Bon, bah, tout le monde est à peu près d'accord. Oui. Ouais, vous voulez commencer, Jean? Oui, elle a un art extraordinaire de raconter des vies minuscules, des choses minuscules, des drames ordinaires, toujours toutes petites, et elle les rend grandioses par son imagination et par son talent. Elle prend des situations minuscules, ce qu'on appelle des vies minuscules, des petites choses, des petites gens, et elle en fait une chose poétique, belle, et toujours avec du sens, et toujours... Non, c'est une... Je trouve, que je le dis à chaque fois, c'est une très grande artiste. Voilà. Tout. Merci. Je fais dans l'ordre de gauche à droite. Catherine Barma, vous avez mis 17. Je pense exactement la même chose et j'étais enthousiaste du personnage et j'ai beaucoup ri. Le fait que j'ai mis un point de moins, c'est que moi ce qui m'a manqué c'est une chute. Voilà, simplement la dernière phrase, chienne de vie, voilà, mais il m'aurait fallu un truc comme vous savez le faire. Et ça m'a manqué. Pourquoi ça s'est terminé comme ça? Parce que je crois qu'il manquait la chute. Ah. C'est une bonne réponse. C'est très drôle, ça. Bien joué, Zidanie. 18 pour Isabelle Mergaux. Oui, je trouve que Zidanie arrive chargée de quelque chose quand elle rentre dans un sketch. Elle est imprégnée de ce qu'elle va faire. Elle est dedans et on la suit immédiatement, même si le texte parfois est plus faible ou quoi. On rentre complètement dans son univers et c'est nous qui venons à elle au lieu de que ce soit elle qui essaye de venir à nous, nous racoler ou quoi aux caisses. C'est formidable, c'est une grande, grande dame. Merci. Que de compliments pour Zidanie. Et encore des compliments, j'imagine, de la part d'Éric Métayer. Bah oui, c'est difficile. C'est quelque chose de... Elle a l'art de prendre vraiment le sujet. Et parce que parfois, d'autres candidats essayent de prendre le sujet et de se dire « Ouais, qu'est-ce que je peux faire ?» Et ils partent dans tous les sens et ils s'étalent dans pas mal de choses. Là, elle arrive à tirer le fil du délire et à faire monter la progression. Ça progresse, progresse, progresse dans un délire.
Vraiment, c'est dommage, à chaque fois que je la vois, je me dis, oh non, c'est déjà fini, c'est dommage, parce que je sais qu'elle peut aller encore plus loin dans ce délire. Donc j'ai envie de voir la deuxième partie de cette partie-là. Eh bien, allez la voir en spectacle à la Comédie des Boulevards à Paris dans la rentrée d'Arlette. Et bien sûr, en direct sur France 2 le 23 avril prochain pour ce grand prime time où vont s'affronter bon nombre d'humoristes, dont fera partie bien sûr Zidani, avec à la clé une place pour monter sur la scène du Casino de Paris du 5 au 9 juin. Vous avez bien noté, Casino de Paris du 5 au 9 juin. Et juste avant, le prime time en direct sur France 2, ce sera le 23 avril. On passe au total des notes du jury pour ce nouveau passage de Zidani. Allons-y. Ça nous fait 71 points. Et à ces 71 points, nous allons rajouter, bien sûr, la note du public. Alors, ça nous fait 71 plus... plus 17 points. 88 points à l'arrivée.